Hey, coucou tout le monde, c'est Crime. On se retrouve pour un nouvel épisode du Zodiac Lunar Challenge. J'espère que pour l'instant ce challenge vous plaît. Moi je passe vraiment du bon temps à le jouer. Donc nous voilà déjà rendus au chapitre, enfin à l'épisode numéro 7. Donc on avait fait un petit peu d'aménagement dans l'épisode précédent puisque on avait enfin pu s'acheter. Hop, j'avance un peu le micro. Enfin pu s'acheter une vraie cuisine et puis fermer la salle de bain. Donc il faut encore qu'on rajoute, je vais le faire tout de suite, une petite lampe dans la salle de bain parce que se laver dans le noir c'est pas terrible. Faudra aussi qu'on change la fenêtre puisque la fenêtre ouverte à tous les vents quand on est sous la douche, pas terrible non plus. Hein. Je sais bien que la pudeur dans les Sims c'est quand même pas quelque chose de très... Ils sont très regardants mais enfin quand même. Donc une lampe. Ah, on peut pas. T'as pas une lampe plus courte comme ça? Ouais, c'est jaune. C'est très jaune cette histoire. T'as pas moins jaune? Non, bah c'est jaune tout le temps de toute façon. Et bah un plafonnier? Non, mais c'est clair que dalle un plafonnier. Ah, c'est pas mal ça. C'est discret, ça éclaire bien. Allez, vendu. Je me demande même si je vais pas en mettre là, tiens. À la place de ça, là. Vas-y, va-t'en. Va-t'en. Et on va mettre... Donc, on a dit ça. On va en mettre deux, peut-être. Ah, bah, c'est mieux, ça. Attendez, on va dégager l'autre. Ah non, pardon. Non, bah non, pas le mur. Tant qu'on a mis pour foutre des murs. Voilà. Est-ce qu'on en met dans la serre aussi? Écoutez, dans la serre, il est censé pas avoir de toit, alors... Mettre des plafonniers quand il n'y a pas de plafond, c'est quand même dommage. Donc voilà, c'est pas mal, là. Tant qu'à faire, on va s'occuper de la fenêtre, hein, parce que, bon... C'était joli, mais bon... Si pas possible. Une fenêtre, une petite fenêtre de salle de bain, s'il vous plaît. Genre comme ça, mais couleur bois. T'as rien d'autre la couleur bois? Parce que... Pas tout à fait pareil, là. Bah écoutez, tant pis, hein, ça va être un peu différent. Hein. Ah, et puis c'est là ou là, quoi. C'est au milieu, tu veux pas. On en a pas plus grande. Si, je crois qu'on en a des plus grandes. Ah bah là, il va peut-être trouver une autre couleur. C'est pas gagné. Bah, c'est pas mal ça. Hein, vous en pensez? C'est bien. Bon, ça fait un peu moderne, mais dans une maison qui l'est pas franchement, mais... d'un autre côté, j'ai pas énormément de choix non plus. Enfin, du choix j'en ai, mais pas... Ah, ça c'est trop grand ça. On va tout voir à travers. Non, bah écoutez, on va rester là-dessus, c'est pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une ou deux... Ça pourrait être bien aussi de rajouter... Non, mais reste là. Hop, des fenêtres. On va se garder un petit peu d'argent, mais... Une serre qui ressemble enfin à une serre, ça peut être pas mal. Allez, on se garde 500 simflouzes. Voilà, 472... Et on finira la serre plus tard. Faut aussi qu'on fasse... Oh, qu'est-ce qu'on en a des choses à faire. Voilà. On commence à plus avoir d'argent, nous. Hein. Et voilà. Tout a du papier peint, c'est magnifique. Et il n'y a plus qu'à... Et il n'y a plus de sous, surtout. C'est fou ce que ça peut nous coûter comme pognon, tout ça. J'ai toujours pas acheté de poubelle. On va acheter une poubelle quand même, parce que, bon, c'est important, les poubelles. Poubelle. Allez, cherche poubelle. Une petite poubelle d'intérieur. 110, je peux pas. Pas dépasser les 70. Et bah, poubelle en plastique, nickel.
Où est-ce qu'on va pouvoir la foutre? Bah là, allez hop. Voilà, la jolie poubelle, on verra plus tard. Pour l'instant. Et pourquoi c'est comme ça, ça? Pourquoi là c'est tout sombre et pas là? Pourquoi? Pourquoi c'est moche? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Ça n'est pas grave, tant pis. Ah, puis j'avais pas vu le frigo devant la fenêtre. Bon, eh ben écoutez, tant pis, pour l'instant ça va rester comme ça. Hein, on va pas, d'un côté, c'est pas une émission de déco. Je laisse faire les pros pour ça. Donc sinon, on en était où? On vient d'avoir une petite fille, on va attendre avant de lancer le prochain. Une petite fille qu'on a appelée Toréane, qui sera donc Taureau, hein, vous l'aurez deviné. Et qui va devoir monter la compétence cuisine au maximum. Donc sinon, Harry, t'en es où toi? Bon, c'est pas ça, je voulais voir. Compétence, mouvement. Allez, retourne-y, mon chat. Construire une tour. Vas-y, fini. Toi, t'en es où? Tu t'emmerdes. Bon, bah, déjà, tu vas aller faire à manger, toi. Ça va te changer la vie. Bon, fini tes restes. Et puis après, tu iras lire quelque chose. Il faudra peindre un tableau parce qu'on n'a plus d'argent. Ah oui, d'accord. Donc, manger, c'est optionnel. Écoutez, c'est chacun fait comme il veut, hein. Elle se nourrit de culture, c'est beau. Alors, pas suffire, mais enfin, c'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça lui plaît plus, les cubes. Mais ça, tu as faim. Ouvrir. Tiens, le dernier hamburger, il est pour toi. Et après, tu iras reconstruire une tour. Ah oui, il faudrait qu'on agrandisse. Ah, ça, on peut le vendre, ça. Attendez. Maintenant qu'on a une cuisinière. Oh, j'ai pas mis d'évier, d'ailleurs. Ce serait pas bête de mettre un évier, quand même. Alors, un évier pas cher, hein. Bon, c'est un lavabo, mais... Moi, je suis là. Voilà, un lavabo. Et puis du coup, on a un peu plus d'argent. Est-ce que j'achète une table et des chaises? Non, on va attendre un petit peu, c'est pas la priorité. Les enfants sont encore petits. Allez. Automne et printemps. Donc ça, c'est toujours de saison, c'est très bien. Il va falloir qu'on rachète un, deux bacs, je pense. Et on va pouvoir planter... bah, pas tout, hein. Il va falloir qu'on plante tout ça et qu'on rachète encore des bacs. Alors. Bon, bah, quand t'as fini de manger, toi, tu retournes faire des tours. Toi, ça va, là? Allez, ça va. Prends les restes. Occupe-toi de machine là, de Toréane, nourrir au biberon. Par contre, ouais, tiens, un petit peu, on dirait que t'es toujours enceinte alors que tu l'es plus. Va falloir investir dans du matos de sport aussi. Un mur d'escalade, pour ceux qui ont suivi mes lives, vous comprendrez pourquoi ça me fait rire. On va faire la vaisselle aussi, s'il te plaît. Allez, action. Bon. T'en mets du temps à bouffer un hamburger végétarien. D'ailleurs, pourquoi végétarien? T'es pas végétarienne, toi? Bah non, t'es pas végétarienne. Tu vas pouvoir manger de tout, dis donc. Je confonds avec mon let's play que je fais en live avec ma fleuriste végétarienne. Voilà. Sinon, il faudrait mettre une piscine, mais je vais manquer de place à un moment donné, parce que si j'agrandis la maison par là, la serre par là-bas, ben, reste pas beaucoup de place pour la piscine. Peut-être une mini-piscine ici. D'un côté, on arrive en hiver, donc... Je suis pas sûre si... Remarque, elle peut se baigner, même s'il fait frais. Hein.
Allez, on essaye de voir si on peut lui faire une petite piscine parce que qu'elle retrouve un peu sa forme physique. Non, piscine, 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 pas un arbre. Alors. Ah ouais, c'est si cher que ça. Eh ben voilà, c'est une piscinette. C'est une petite piscine. C'est... Voilà, ça lui fait plaisir en plus. C'est très bien. Mais on en est où? Ah oui, il va falloir qu'elle raconte des histoires. Mais va donc peindre un... Si possible un chef-d'œuvre, s'il te plaît. Qu'on construise au moins un carré de piscine, quoi, que tu puisses nager dedans. Avant qu'il fasse moins 12 degrés, parce que d'un autre côté, l'hiver... C'est dans 2 jours. Voilà. Ça, c'est qui, ça? Ah oui, ça, c'est avant de cette date-là qu'il faut que j'ai pris une potion. Bon. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, tu t'ennuies. Babi, va parler à ta sœur. Visiblement, elle l'aime pas. Vas-y, continue, babiller, babiller, babiller. Non, ça lui fait rien du tout de babiller. Non, bon, bah c'est nul. Ça sert à rien de babiller sur un berceau. Alors, vendre. Bon, bah c'est pas un chef-d'œuvre, a priori. Lire le livre pour Bambin. Ah bah elle veut pas. Bah écoute. Ah bah si elle veut. Toile classique, grande toile classique. Voilà. Tout le monde est content. Et on a presque fini l'aspiration. C'est bon, ça va mieux. Alors tu peux aller aux toilettes. J'ai mis le pot par ici. Sinon, tu peux peut-être aller prendre ta douche toute seule, non? Non, tu veux pas? Bon. Allez, madame, finis le tableau, fais-nous un chef-d'œuvre. Et ça sera pas mal. Toi, t'en es où? T'es triste. De nouveau. Bon, bah écoute. Je sais pas, moi. Faire des cubes. Va faire des cubes. D'un autre côté, je crois qu'elle a le trait pénible, alors. Un chef-d'œuvre magnifique! Voilà, vendre. Et... Tiens, tu vas lire une histoire de nouveau. Lire le livre. Et moi, je vais agrandir la piscine. Comme ça, demain, à la piscine. Hop, on n'en parle plus demain. Tu vas nager un petit peu parce qu'après en hiver tu pourras plus. Voilà. Bon, c'est pas mal comme ça. Voilà, une petite piscinette. Avec. Nickel. Voilà, il fait un peu frais, mais demain matin, en plus, ça remontera ton divertissement. Vas-y, tu lui lis son histoire. Histoire de valider ton aspiration. Allez. Donc ensuite, toi, au lit. Toi, aux toilettes. Ensuite, tu vas nourrir Toréane et aller au lit aussi. Voilà. C'est bientôt l'anniversaire de Toréane, tu m'en diras tant. Et demain, faire des longueurs. En espérant qu'il fasse pas glacial. Parce que voilà, c'est le dernier. Et bien sûr, Don qui revient à la charge. Non, nous n'irons pas en rancard tous les deux. Don, ça fait 4 épisodes que je te le dis au moins. J'espère qu'il ne fera pas glacial demain.
que pour un lesbien un petit peu, que j'ai pas construit ça pour rien. Ensoleillé, bon, ça devrait aller. Par contre, direct le dimanche, il neige. Ah, c'est l'anniversaire des deux. Super. Ça tombe bien. Allez, stop dormir. Nourrir au biberon, apaiser, babiller, bercer, dodeliner, manger. Et nager. Il fait froid, mais ça va revigorer tout ça. Puisque la déesse de la lune, elle a l'habitude. Allez. Harry a très faim. Bah mange, mange. J'ai le choix, ouvrir. Prendre une portion. Qu'est-ce qui t'arrive d'autre à part que t'es très faim? T'as envie d'aller aux toilettes et t'as envie qu'on te lave. Donc on fera ça tout à l'heure. Dès que j'aurai fini de nager dans l'eau gelée de la piscine, bien sûr. Bon, t'as assez mangé, toi, ça suffit. C'est justement pour ça qu'on va à la piscine. Parce que t'as encore au moins 10 grossesses à avoir et que c'est plus possible. Alors, on va quand même vérifier qu'elles ne deviennent pas bleues. Parce que bon. Elle a froid quand même, hein, mais c'est pas grave. Tant qu'elle est pas... Ah non, putain non. Putain, la trouille. J'ai vu mort de froid. Je me suis dit, putain, elle va mourir. Donc non, sors de là. Tu es bleu. Sors. Sors, mon petit. Tant pis. Tant pis, tant pis. Va donc te réchauffer. Voilà, voilà. Oui, tu es gelé. Prends un bain. S'asperger d'eau de mer. Non, on va prendre un... Tu vas donner un bain à Harry. Et après, tu iras te doucher. Donc non, la piscine en automne quand il fait froid, c'est pas un bon plan. Tant pis. Non, putain, la trouille que j'ai eue pendant 3 secondes, j'ai cru qu'elle était morte. Je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai encore foiré un challenge. mon Dieu. Mais non, non, non. Heureusement, c'était pas le cas. Bon, bah en attendant, tu peux aller tout récolter. Tout vendre, par exemple. Voilà. Oh, c'est bien, ça commence à rapporter pas mal d'argent, tout ça. On va pouvoir s'acheter les bacs qui manquent pour planter le reste. Alors, du coup, on va acheter 2 bacs. Ah, ça passe pas. Attends, on va acheter 2 bacs déjà, on va voir. Donc attends, si on les décale un petit peu, est-ce que ça va passer? Non, ça passera pas. Ou alors c'est la porte que je décale. Hop, monte. Là, tu vas là. Et toi. Ah mais je peux pas décaler la porte en fait. Je peux pas. On peut pas dire un demi-machin là. Ah, c'est trop ça. Alors c'est la porte, je peux pas la décaler la porte, non, je peux pas. On va voir si elle arrive à accéder à tout ça tout de suite. Alors, dis-moi, où est ton sac? Tiens, essaye d'aller planter un basilic. 2 poivrons, 2, des roses. Une de rose.
Et puis ceux-là, là, va falloir commencer à les rentrer aussi. Parce que... Ils vont pas aimer l'hiver. Du coup, il en manque, hein. Va falloir agrandir encore la serre. Planter. On a essayé d'agrandir la serre. Ça passe. 400. Hop, et il faut s'arrêter là. Bon ben voilà, on a agrandi la serre, il n'y aura plus qu'à... Ah, il faut aussi agrandir, je crois que du coup, il y a aussi le... Voilà. Voilà. Il faut aussi agrandir le toit, sinon ça fait plus une serre. Bon, un jour on aura toutes les fenêtres aussi. Mais... Et ça c'est quoi, un plan de poubelle? J'en veux pas de ton plan de poubelle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte dessus. D'accord. Moi, je vais voir si elle accède à tout. Bon, ça a l'air pas mal. Donc, il faudra juste acheter d'autres plants pour pouvoir planter tout ce qui me reste. Et on va planter les plantes saisonnières à l'extérieur. Tiens, d'ailleurs, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme plantes? Et celles-là, on va les mettre dehors au moins le temps de l'hiver. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'ennuies? Bah oui, tu t'ennuies. Attends, je vais venir te donner un bain dans 2 minutes. Dès qu'elle aura fini de planter, il faut vraiment qu'on mette. Il va falloir qu'on mette des vitres quand même. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Un personnage. Bon, bah, on va les planter. On va les planter. À côté de la piscine, les personnages, hein, parce que de toute façon. Voilà, donc déjà, tu vas aller donner le bain à la petite. Non, pardon, je suis pas dans le bon mode, excusez-moi. Alors, déjà, tu donnes un bain à Harry. Puis après, tu viens planter tout ça. Hein. Bon, en tout cas, elle a accès à tout, c'est bien. Allez, hein, bah, ça va remonter le social de la petite en plus. Le social et l'hygiène. Ça sera cool. Bon, putain, il y a un truc que je me suis fait dans la piscine. Non, bah laisse tomber, on va aller courir plutôt. C'est mieux courir. Pourquoi t'es triste encore? T'as eu un accident de peau. Ce sont des choses qui arrivent. Va construire une tour. Hop, personnage planté. Hors saison, ouais, bah ça va, c'est la saison demain, ça va bien se passer. Ouais, pourquoi tu me déplaces tout pas où il faut? D'accord, mais mets ça comme ça t'arrange, hein, surtout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, ouvre. Du ouf. Ouais, c'est bien, salaud. Allez, 1, 2, 3, 4. Et... Planté. Et tu ouvriras le dernier. Allez. C'est planté n'importe comment. C'est pas grave. C'est bientôt l'anniversaire d'Harry. Oui, et le bébé pleure. Allez, voilà la dernière. Atteint le niveau 5. Magnifique. Youhou. Là, tu peux faire autre chose maintenant. Tu peux faire... Je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouvre le dernier, s'il te plaît, sachet. Ah, tu l'as ouvert? C'était quoi? C'était des poires. Ouais, mais on a dit on fait pas les plantes. Voilà. Enfin, on fait pas les arbres, je veux dire. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et aller s'occuper, changer la couche sale. Aller s'occuper des enfants. Et du ménage. Et il paraît que chez moi, les maisons sont toujours dégueulasses. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez. Il faut que je lui parle parce que la pauvre...
Lire un livre. Ah, t'as envie de faire pipi. Bah, t'iras faire pipi après, c'est pas grave. Se soulager par-dessus bord. C'est mignon. S'asperger d'eau de mer. On va essayer. Ah, et le lire le livre, non, ça s'est passé à la trappe. Ok. Bon, bah, en fait, c'est rien du tout, quoi. C'est juste prendre une douche. Bon, bah, ma foi. Oui, non, Fred, c'est bon. C'est bon. Alors, ensuite, on a dit lire un livre au bambin. Amical, plus de choix. Lire un livre. Tout ça pour valider l'aspiration. Parce qu'il faut qu'on pense quand même à acheter cette potion pour qu'elle ne vieillisse pas trop vite. Voilà. Être amie avec trois de ses enfants, mais pour l'instant, il n'y en a que deux. Et avoir un enfant marié, c'est pas pour tout de suite. Va falloir attendre un peu. Construire une table. Sur une table de jeu construite. Ouais, non, mais ça, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Acheter un bain à remous. Bien sûr, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, toi aussi, tu vas lire quelque chose avant d'aller dormir. Et toi? Et toi, tu as faim d'abord avant d'aller dormir. Et il n'y a plus rien dans le frigo, bien sûr. Donc, avant d'aller dormir, ta mère va préparer à manger, n'est-ce pas? Préparer un ragoût. Ouais, toast avec des œufs. C'est parti. Oui, bah vas-y, laisse tomber la lecture, là. Il y a urgence, ta fille a faim. Hop. Ah bah, tes filles ont faim, a priori. Les deux. Le bébé, le bambin. Tout. Tout le monde a faim. Non, donne. Oh là là, celui-là, il lâche jamais l'affaire. Allez, va manger. Prends une portion. Aller aux toilettes et dormir. Non, c'est aller se coucher, papy, tiens, au pion. Oui, je sais, tu es fatiguée, mais tu as encore un bébé à t'occuper. Du coup, faut que je range ça. Toréane a faim. Oui, on arrive. Voilà. On va apaiser. Babiller, bercer, parler, dormir. Allez. Toréane vient de devenir une bonne amie d'Ilarguia. Ok, pas de problème. Tant mieux. Guérir la maladie. Parce que t'es malade. Ah, tu délires. Oh la vache. D'accord. Et c'est contagieux? Parce que c'est craignos quand même. Hein. Ouais, super. Allez, au lit. Vivement que tu grandisses, toi. Parce que. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi cette petite musique? Ça ne présage rien de bon, tout ça. C'est l'anniversaire de Toréane, magnifique. Tu m'en diras tant. Ok. Ensuite, Ilarguia. Ma foi, tu vas aller. Oh putain. Bah, changer la couche de ta fille, bien sûr. Hop, et puis. Allez, je peux pas rien faire d'autre. Allez, go. Ah, go. Oh, il neige. Oh, c'est beau. Parce que nous sommes officiellement en hiver. Non, s'il te plaît, fous-nous la paix, Fred.
Et j'ai toujours un ce bug et je peux pas débugger les Sims. Et vivement la mise à jour. Des restes et toile classique, grande toile classique. Bon, bah on va profiter que ce soit le... Ah oui, donc c'est ça, elle peut plus manger. Bon, on va profiter qu'il y a un bug pour que je ressorte et que je revienne et que du coup on va arrêter la vidéo ici. Bah voilà, du coup bah c'est fin de l'épisode, donc on se retrouve bah rapidement pour le prochain épisode. J'espère que vous passez de bonnes vacances et moi oui en tout cas, j'espère que je suis en train de passer de bonnes vacances. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao !